Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'alimentation monoprotéine animale. Qu'est-ce que l'alimentation monoprotéine? C'est une alimentation qui ne contient qu'une seule source de protéines animales, donc par exemple seulement du poulet ou seulement du saumon. Donc si votre chien présente des symptômes digestifs chroniques, comme des ballonnements ou des diarrhées, accompagnés ou non de symptômes cutanés, donc comme des pertes de poils, des zones rouges, des démangeaisons, votre vétérinaire va peut-être suspecter une intolérance alimentaire. Ces intolérances alimentaires sont généralement dues aux protéines animales. L'alimentation monoprotéine va alors vous permettre de réaliser un régime d'éviction afin de savoir à quelle protéine animale votre chien est allergique et ainsi pouvoir la proscrire de son alimentation. Voici un petit schéma qui va vous permettre de comprendre un peu plus le fonctionnement du régime d'éviction. Une fois que vous saurez à quelle protéine animale votre chien est intolérant, l'alimentation monoprotéine va aussi vous permettre d'être sûr de donner un aliment qui ne contient pas cette protéine animale en question. Il faut aussi savoir que ça demande toujours un peu plus d'effort au tube digestif de digérer plusieurs protéines animales en même temps. Donc on va prescrire cette alimentation pour les chiens ou les chats qui ont des tubes digestifs un peu sensibles, un peu fragiles.